Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. On commence dans 2 minutes, Inch'Allah. Alors, avant de commencer, pour ceux qui ont accès au chat, vous pouvez me noter les 3 premiers piliers de la foi que l'on a étudiés. Pour celui qui s'en souvient, croire, on les note. Oui. Vas-y. Croire en Allah, croire aux anges et croire aux prophètes et croire aux livres. Très bien, mashallah. Allez, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc les enfants, nous avions commencé l'étude de la sourate Al-Mu'minun, la sourate numéro 23. Elle s'appelle Al-Mu'minun, les croyants. Et on s'était arrêté au premier verset où Allah Azza wa Jalla il dit: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Bienheureux sont les croyants. C'est-à-dire que ceux qui ont cette caractéristique d'être des croyants, ils récolteront le succès. Ils seront heureux, joyeux. Ils vont gagner tous les cadeaux dans cette vie et après leur mort. Alors la question qui se pose, c'est comment nous devons faire pour être croyants? Qu'est-ce que ça veut dire être croyant? Alors le croyant, c'est celui qui croit aux 6 piliers de la foi. Souvenez-vous, on avait expliqué que le croyant, c'est celui qui croit aux 6 piliers de la foi. Le premier pilier,
Le premier pilier, c'est le fait de croire en Allah. C'est le fait de croire en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah? Alors, croire en Allah, c'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, il est unique. Retenez, ça c'est important. Croire en Allah, c'est le fait de croire qu'Allah, il est unique, il est seul. Personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Je dois adorer que Allah. Je dois adorer que Allah. Quand je fais la prière pour Allah. Quand je jeûne pour Allah. Quand je sacrifie un exemple, le mouton pour le Eid, je le sacrifie pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, quand on te dit croire en Allah, premièrement, c'est le fait de croire que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Retenez ça, les enfants. Exactement. C'est la ilaha illallah. La parole la plus importante de ta vie. Il n'y a aucune parole qui est plus importante dans toute ta vie que la ilaha illallah. C'est la clé du paradis. C'est la clé du paradis. Et celui qui dit « La ilaha illallah » juste avant de mourir, il rentre au paradis. Alors tu vas me dire « Oui, mais moi je ne sais pas quand est-ce que je meurs. » C'est pour cela que toute ta vie, tu dois appliquer cette parole. Tu dois adorer que Allah. Tu n'adores personne en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et si tu appliques, tu concrétises le tawhid, l'unicité d'Allah, eh bien cela sera facile pour toi. Au moment où tu vas mourir, de dire la ilaha illallah. Et ensuite tu meurs. Et là, tu seras mort de la meilleure manière et tu accéderas au paradis. Donc, croire en Allah, c'est le fait de croire à la ilaha illallah. Donc, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Également, croire en Allah, c'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, il est celui qui a tout créé, qui a créé les cieux. Allah, qui a créé la terre. Allah Azza wa Jal, qui a créé l'univers. Allah Azza wa Jal. D'accord. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a tout créé. Et vous avez vu toutes ces créatures. Qui leur donne à manger? Qui leur donne l'air pour respirer? Qui leur donne l'air, l'eau pour s'abreuver? Allah. C'est Allah Azza wa Jal. Imaginez les enfants. Imaginez. On va parler que des animaux. Imaginez tous les animaux qu'il y a sur terre, tous les insectes qu'il y a sur terre, tous les poissons qu'il y a dans l'eau. Eh bien, dites-vous que tous ces animaux, tous ces oiseaux qu'il y a dans le ciel, tous ces poissons qu'il y a dans l'eau, Allah Azza wa Jal, il leur donne ce qu'ils ont besoin. La même chose pour les êtres humains. La même chose pour les êtres humains.
Les enfants, arrêtez d'allumer votre micro, sinon je vais devoir vous expulser. Ça me dérange. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. Donc, toutes les créatures, Allah, tabaraka wa ta'ala, il leur donne leur subsistance. C'est-à-dire, il leur donne l'air pour respirer, l'eau pour s'abreuver, pour boire, et il leur donne les nourritures pour s'alimenter. Donc regardez comment Allah Azza wa Jal, il est grand, comment il est puissant, comment il est fort. Subhanahu wa ta'ala. Également, c'est lui qui gère tout. Il contrôle tout. Il voit tout. Il sait tout. Il surveille tout. Subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui aussi qui donne la vie et qui donne la mort. Personne ne peut décider que quelqu'un va mourir si Allah Azza wa Jal ne l'a pas décidé. Et personne ne peut décider que quelqu'un ou que quelque chose va vivre si Allah Azza wa Jal ne l'a pas décidé. C'est lui le roi. C'est lui le tout-puissant, subhanahu wa ta'ala. Également, le fait de croire en Allah, c'est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal, il possède les plus beaux noms et les plus beaux des attributs. Allah Azza wa Jal, il possède les plus beaux noms et les plus beaux et les attributs les plus parfaits. C'est pour cela qu'Allah est dit dans le Coran, وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها. À Allah appartient les plus beaux noms. Invoquez-le avec ses noms. Et on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a plein de noms. Allah azza wa jal, il a plein de noms. Mais aujourd'hui, on va retenir les trois noms les plus importants. Est-ce que vous voulez apprendre avec moi les trois noms les plus importants? Et celui qui connaît les trois noms les plus importants, eh bien en réalité, il a appris le plus important. Le premier, c'est Allah. Répétez, Allah. Allah. Allah, la seule divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Donc quand tu apprends le mot, le nom Allah, tu sais que seul Allah mérite d'être adoré. Le deuxième des noms, c'est Ar-Rabb. Répétez, Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est le Seigneur, celui qui gère tout, il contrôle tout, il fait tout, il voit tout, il dispose de tout. C'est lui, Ar-Rabb, le Seigneur. Et le troisième, Ar-Rahman. Répétez, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Très bien. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui possède les plus beaux noms et les plus beaux des attributs. Ensuite, on a vu l'importance et le deuxième pilier de la foi, c'est le fait de croire aux anges. El-imanu bil-mala'ika. Donc les anges en arabe on dit El-mala'ika. El-mala'ika. C'est les anges. El-mala'ika. Et les anges, ce sont les soldats qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé sur terre. Ce sont les soldats qu'Allah azza wa jal a envoyé sur terre. C'est comme si c'était l'armée de notre Seigneur. Et les anges, la ya'suna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas. Ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal dans ce qu'il leur ordonne. Lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, leur
leur ordonne quelque chose, ils le font directement. Et à aucun moment, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal. Et vous vous souvenez, on avait posé la question, est-ce que Iblis, le shaitan, avant, est-ce que c'était un ange ou ça a toujours été un djinn? Et on avait expliqué que c'était pas un ange, ça a toujours été un djinn. Parce que si ça aurait été un ange, si ça aurait été un ange, est-ce qu'il aurait pu désobéir à Allah? Non, il n'aurait pas pu désobéir à Allah. Alors que lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de saluer, de se prosterner devant Adam alayhi salam, il a refusé. Il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Et tous ceux qui désobéissent à Allah, eh bien ils ressemblent au shaitan. Tous ceux qui désobéissent à Allah, ils ressemblent au shaitan. Ensuite, on avait vu l'importance de connaître les anges. Et on avait dit quatre choses importantes. Retenez avec moi. Premièrement, c'est de croire aux anges que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup d'anges qu'on connaît leur nom. Donc la première chose à retenir dans la croyance aux anges, c'est leur nom. Il y a des anges que l'on connaît. Parmi eux, Djibril. Vous pouvez répéter à votre maison, Djibril. On n'allume pas les micros, les enfants, je dis. Et on peut dire aussi Djabaraïl. D'accord, donc Djibril, c'est le nom d'un ange. Également, on a vu l'ange Mikaïl. L'ange Mikaïl. Également, on a vu l'ange Israfil. Il y a un ange aussi qui s'appelle Malik. Malik. Également, il y a un ange qui s'appelle Munkar. Il y a un ange qui s'appelle Munkar. Il y a un ange aussi qui s'appelle Nakir, Harut, Marut, etc. Donc, dans le Coran et dans la Sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on apprend le nom de certains des anges. Il y a aussi des anges, il y a aussi des caractéristiques des anges qui englobent tous les anges, comme le nom Al-Malaïka. Al-Malaïka, c'est tous les anges. Al-Kiramul Barara, les nobles ambassadeurs. Ou Rasulullah, les messagers d'Allah, As-Safara, les envoyés, les ambassadeurs, tout cela s'englobe tous les anges. Donc nous on croit à ceux qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. On croit à ceux qu'on connaît et à ceux que l'on ne connaît pas. La deuxième des choses importantes, c'est de savoir leurs caractéristiques ou leur apparence. Donc on sait un exemple que il y a des anges qui sont très très grands.
il y a des anges qui sont très très grands. Mais déjà, avant d'expliquer certains anges, on rappelle à tous les enfants que le musulman, il ne dessine pas les anges. Quand on fait un dessin, on ne dessine pas n'importe quoi. Parce que certains, quand ils dessinent tout et n'importe quoi. Non, ça c'est une erreur. Il y a des choses que l'on peut dessiner, il y a des choses que l'on ne peut pas dessiner. On ne dessine pas Allah, on ne dessine pas les prophètes, on ne dessine pas les anges, on ne dessine pas le paradis, on ne dessine pas l'enfer. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses que l'on n'a jamais vues. Et on ne peut pas s'imaginer. D'accord ? Et en même temps, on doit respecter ces choses-là, donc on ne doit pas les dessiner. Les anges, la même chose. Par contre, je sais qu'il y a certains anges, je sais qu'ils ont des ailes. Il y a des anges qui ont deux ailes. D'autres qui ont trois ailes. D'autres qui ont quatre ailes. Il y a des anges qui ont quatre ailes. Et l'ange Jibril, alayhi salam, il a plus de 600 ailes. L'ange Jibril, alayhi salam, il a plus de 600 ailes. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu l'ange Jibril, il a vu qu'il avait plus de 600 ailes, et sur chacune de ses ailes, il y avait des rubis, des perles précieuses, etc. Également, on avait vu que parmi les anges, il y a les anges qui traînent, qui portent le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on avait vu que ces anges, les anges qui portent le trône d'Allah, azza wa jal, pour aller du bout de leur oreille jusqu'à son épaule, il faudrait un exemple parcourir ce qu'un oiseau peut parcourir pendant 700 ans. Pendant 700 ans. Imagine un oiseau, il vole pendant 700 ans, tout droit. Imagine comment que c'est loin. Eh bien, imagine que ça, c'est juste ce qu'il y a entre le lobe de l'oreille, ici, là, ce que vous avez, la petite boule, là, tout en bas de l'oreille, et votre épaule. Alors que pour nous, regardez comment que c'est petit. Ça fait la taille d'un doigt. Mais l'ange, il faut 700 ans pour parcourir cela. Donc, on sait que les anges, ce sont des créatures très grandes. Allah, tabaraka wa ta'ala, il est encore plus grand que eux. Également, on sait que les anges, ils ont été créés de lumière. Les anges, ils ont été créés de lumière. Et on a dit que les anges, ils étaient forts, ils étaient puissants. Allah Azza wa Jal, il leur a donné une force importante. Également, on sait que les anges, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'anges. Il y a beaucoup d'anges. Énormément. Et on avait cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Attati sama » Le ciel a craqué. Attat. Il a craqué. Wa huqqalaha anta it. Et il est en droit de craquer. Imaginez les enfants que le ciel a craqué. Alors pourquoi le ciel a craqué?
parce que il n'y a pas un endroit. Mettez vos mains comme si vous mettez le, vous faites le chiffre 4. Comme si vous faites le chiffre 4. Il n'y a pas un endroit comme ça dans le ciel, sauf qu'il y a un ange qui est prosterné. Son front, il est prosterné pour Allah Azza wa Jal. Regardez le ciel, pour ceux qui ont, qui sont proches d'une fenêtre. Regardez comment le ciel, il est grand. Regardez comment le ciel, il est grand. Mais dites-vous que partout dans le ciel, il y a un ange qui est prosterné, comme s'il faisait la prière pour Allah. Vous imaginez les enfants ? Les anges, ils sont grands, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont puissants, ils ont des pouvoirs, ils peuvent voler, ils peuvent se déplacer, mais ils adorent Allah. Mais ils sont prosternés. T'as des anges toute leur vie. Pendant des milliers d'années, ils sont prosternés, ils ne relèveront jamais la tête. Et nous, Allah nous demande de faire la prière 5 fois par jour. Et des fois, il y a des enfants qui ne font pas leur prière. Des fois, il y a des enfants qui se lèvent le matin et ils ne font pas leur prière. Et ça, ce n'est pas normal. Dès que j'ai 7 ans, je fais mes 5 prières par jour. Et si je n'ai pas encore 7 ans, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, je dois apprendre à faire la prière pour qu'à l'âge de 7 ans, je sais faire la prière. Mais est-ce que c'est normal qu'il y a des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ou même plus que 10 ans et ils ne prient pas? Eh bien ça en réalité, c'est des enfants qui n'ont pas envie d'aller au paradis. Parce que si je veux aller au paradis, je fais faire ma prière. Mais si je ne fais pas ma prière, ça veut dire que je n'ai pas envie d'aller au paradis. Mais si on ne va pas au paradis, on va aller où? On va aller en enfer. A'azanallahu wa iyyakum. Qui veut aller en enfer? Qui veut entendre l'enfer craquer, bouillonner, brûler? Il va entendre les gens crier, hurler. Alors que ceux qui seront en enfer, on leur posera la question. Ma salakakum fi saqar. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez vivant pour arriver à le saqar en enfer? Dans cet endroit de l'enfer qui s'appelle Saqqar. Qu'est-ce qu'ils vont dire les anges? Qalu lam nakum min al-musallin. On ne faisait pas partie de ceux qui prient. On ne faisait pas la prière. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui sont dans l'enfer, pardon? Ils vont dire on ne faisait pas la prière. C'est pour cela les enfants que dès aujourd'hui vous faites vos 5 prières chaque jour et toute votre vie, vous n'allez pas arrêter de faire vos prières. D'accord les enfants? On sait également que l'enfer il est grand et les anges le jour de la résurrection ils vont tirer l'enfer. Il y a 70 000 anges qui vont tirer l'enfer. Pardon, il y a 70 000 cordes. Et sur chaque corde, il y a 70 000 anges. Ça fait plus de 49 millions d'anges qui vont tirer l'enfer. Imaginez le nombre d'anges qu'il y a. C'est pour cela que moi, je dois prendre exemple sur eux et obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, parmi les choses importantes à savoir sur les anges, c'est qu'on a dit que c'était des serviteurs d'Allah. Est-ce qu'on doit adorer les anges? Non, je dois adorer Allah. Mais les anges, ce sont des serviteurs d'Allah.
Les anges, ce sont des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ce sont l'armée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les anges, ce sont les soldats d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il leur a donné une fonction bien précise. Parmi leurs fonctions, il y a un ange qui doit s'occuper de la révélation. C'est un ange qui s'occupe de la révélation. Lorsqu'Allah Azza wa Jal doit transmettre un message aux gens de la terre, il doit leur révéler une parole comme le Coran. C'est l'ange Jibril qui descend sur terre et qui révèle le Coran. Donc l'ange qui est chargé de la révélation, c'est l'ange Jibril. C'est l'ange Jibril alayhi salam. Également, il y a des anges, et notamment il y a un ange que l'on appelle Malakul Maut, l'ange de la mort. Ça veut dire quoi l'ange de la mort? Ça veut dire que lui, dès que quelqu'un, n'importe où sur la terre, il meurt, il va avec une troupe d'anges et il va récupérer son âme. Il prend son âme et ensuite il meurt. Également, il y a des anges qui sont là pour protéger les serviteurs. C'est pour cela un exemple que lorsque tu sors de ta maison, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'envoie des anges et il te protège jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Également, il y a des anges qui écrivent les bonnes actions ou les mauvaises actions. Ces anges-là, ils écrivent. Quand tu fais des hasanats, des bonnes actions, ils les écrivent. Et quand tu fais des sayyi'at, des mauvaises actions, ils les écrivent aussi. C'est pour cela, rappelle-toi. Et des fois, il y a des enfants parmi vous. Des fois, quand leur papa et leur maman ne sont pas là, eh bien, ils regardent des mauvaises choses sur la télévision. Ou sur l'ordinateur, ou sur le téléphone, sur YouTube. Ils regardent des choses qu'ils n'ont pas le droit de regarder. Des fois, papa, maman, ils ne sont pas là. Tu es dans ta chambre, tu prends la tablette, ou l'ordinateur, ou le téléphone, et tu regardes des mauvaises choses. Et toi, en fait, tu crois que personne ne t'a vu. Mais t'as oublié qu'Allah Azza wa Jal t'a vu. T'as oublié que les anges, ils ont noté ce que tu as fait dans ton livre. Tu as oublié qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va te demander pourquoi tu as regardé cela. Et que peut-être tu seras jeté en enfer à cause des mauvaises choses que tu as regardées. Tu as envie d'aller en enfer pour YouTube ou pour Netflix ou pour l'ordinateur, ou la télé, ou des choses que tu n'as pas le droit de regarder? Non. C'est pour cela que si tu as déjà fait ça, tu dois regretter. Tu dois demander à Allah de te pardonner. Dis, répète, Astaghfirullah. 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 Et tu ne dois plus jamais recommencer. Et Allah, il va te pardonner. Allah Azza wa Jal, il va te pardonner.
Également, il y a des anges, les enfants. Il y a des anges qui s'occupent du temps, du vent, de la pluie, de faire pousser les plantes, etc. Et notamment l'ange Michaël. L'ange Michaël, il s'occupe de cela. Et il y a encore plein d'anges qui ont des fonctions. Et nous, nous croyons à tous ces anges. Ensuite, nous terminons le cours d'aujourd'hui avec le troisième pilier de la foi. Et comme ça, Inch'Allah, jeudi, on continuera avec le quatrième, le cinquième et le sixième. Le troisième, c'est l'imanu bil kutubil munazzala. C'est le fait de croire au livre. C'est le fait de croire au livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé sur terre. Et on sait qu'il y a eu des prophètes avec lesquels Allah azza wa jal leur a envoyé des livres. Il y a des livres que l'on connaît et il y a des livres que l'on ne connaît pas. Nous, on connaît 5 livres. Mettez vos mains avec le chiffre 5 et on va les apprendre. Le premier, At-Tawrah. La Torah. La Torah, elle a été révélée à quel prophète ? À Moussa, alayhi salam. Le deuxième, El-Injil. L'Évangile. Ce livre, il a été révélé à Isa, alayhi salam. Le troisième livre, Az-Zabour. Az-Zabour, les psaumes. C'est le livre qui a été révélé à Daoud, alayhi salam. Quatrième, As-Suhuf. As-Suhuf. Les feuillets. Et ce livre, il a été révélé à Ibrahim, alayhi salam. Alors, il nous en manque un. C'est quoi le cinquième livre? C'est le Coran. Excellent, les enfants. Et le Coran, il a été révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous croyons que tous ces livres, il porte le même message qui est « La ilaha illallah ». Tous ces livres, ils ont parlé de « La ilaha illallah ». Tous ces livres, ils ont parlé de « Tawhid », de l'unicité d'Allah, de la clé du paradis. Donc les enfants, il est important pour vous de comprendre cette parole qui est la ilaha illallah, parce que c'était la parole de tous les prophètes. Et le Coran, c'est le dernier des livres. C'est le dernier des livres. Il n'y aura plus de livres après le Coran. Et aujourd'hui, nous on sait que le seul livre qui doit être le seul livre qui doit être suivi, c'est le Coran. On ne peut plus suivre les livres des prophètes qui sont passés avant nous. Parce que les gens, ils les ont modifiés, ils les ont changés. Mais le Coran, personne ne peut le modifier. Personne ne peut le changer. C'est pour cela, les enfants, qu'il est important d'apprendre le Coran, de comprendre le Coran. Chaque jour, vous devez lire le Coran. Ne passez pas un seul jour sans lire le Coran, parce que c'est un jour perdu. D'accord, les enfants ?
Accrochez-vous au Coran. Accrochez-vous au Coran. Voilà les enfants pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.